la rencontre à l'amour, comment reconnaître l'évolution du sentiment amoureux et le niveau auquel il est? Nous avons souvent des doutes concernant le vrai amour. Certains pensent qu'il n'existe pas et d'autres le vivront chaque jour jusqu'à leur mort. Aujourd'hui, avec notre invité, M. Jacques-Christian Winsou, nous allons essayer d'analyser et définir comment reconnaître le vrai amour et par quoi le reconnaître. Bonjour M. Winsou. Bonjour Christelle. Bonjour à tous. Alors, par quoi reconnaître le vrai amour? C'est de ça que nous allons parler avec vous aujourd'hui. Hier, on discutait des mécanismes cérébraux de l'amour. Pour commencer, dites-nous, quels sont les critères qui nous permettent de définir ce qu'on appelle notre amour? Notre amour. Comment on peut définir ceci? Si ce n'est ramener juste à des sensations. Si ce n'est ramener juste à des comportements, à un mélange d'émotions, comme je l'ai défini hier, soutenu par l'envie de rester avec quelqu'un. Comment est-ce qu'on peut définir cela? Si ce n'est voir d'abord que le premier coup d'œil a déclenché un certain nombre de chimie en nous qui transforme notre comportement et qui nous amène à penser à un certain nombre de choses. Il y a cinq comportements ou déterminismes qui nous montrent directement si nous sommes amoureux ou non. Et si ces cinq choses sont réunies chez quelqu'un, on peut dire à cette personne, eh bien, tu es amoureux. Si tu n'es pas amoureux ou amoureuse, alors tu veux l'être. Ça veut dire que tout passe par le regard et le reste s'enchaîne. Première chose à constater, la peur de perdre la nouvelle personne qu'on a décryptée par le regard dans l'environnement. Et si déjà vous avez peur de ne plus voir cette personne, vous pouvez noter quelque part. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous n'allez pas savoir le pourquoi vous avez peur de perdre cette personne-là. On appelle ça le mystère qui entoure la personne qu'on a rencontrée. Et par ce mystère, vous n'allez pas trop savoir en vous-même le pourquoi ce papillon intérieur commence par vous faire vibrer et tout ce qui se passe dans votre corps va échapper à votre connaissance intellectuelle. Ça fait deux points. Troisième point, vous aurez un désir fort d'une fusion émotionnelle avec cette personne-là. Donc, vous aurez envie d'aller à l'expression libidinale avec cette personne que vous avez rencontrée. Ça fait trois points. Alors, quatrième point, vous aurez un envie fou d'aller faire une découverte nouvelle avec cette personne. Vous allez vouloir braver les interdits. Vous aurez une force en vous. Hier, nous avons parlé de la dopamine qui vous donne la force d'aller constater si ce que vous êtes en train de penser, si ce qui vous amène à fantasmer sur cette personne est une réalité. D'accord. Ah, et après ces points donc, là j'en ai cité. Quatre. Donc, la peur de perdre la personne, le mystère qui entoure cette personne, envie d'aller découvrir de nouvelles choses avec cette personne. Non, l'expression. L'expression libidinale. Et puis, envie de découvrir de nouvelles choses avec cette personne. Et il y a le sentiment de bien-être. Le sentiment de bien-être. Je suis avec cette personne, je me sens bien. Je me sens vivant. Je me sens une personne accomplie. Lorsque ces cinq points sont réunis chez quelqu'un, tout de suite la personne se trouve être attachée. Il y a l'ocytocine qui commence par travailler et cette personne veut toujours rester à côté, donc nouer une relation avec cette personne qui lui donne ses cinq sensations dans le cœur, sinon de la tête au cœur. Passer cette étape, la personne humaine cherche rapidement à voir si ce qu'elle est en train de sentir
ou ressenti correspond à ses aspirations. Nous pensons avoir dit... Les aspirations, vous voulez parler oui, des... ses aspirations profondes, ses projets de vie, son histoire, ses difficultés. Avant d'arriver à ce niveau-là, on va d'abord s'arrêter au niveau des critères. Hein, parce que quand on se met avec quelqu'un, quand on est avec une personne, avant même de parler de couple constitué officiellement, ainsi de suite, on se sent à l'aise avec cette personne-là. On a envie d'aller juste un peu plus loin avec cette personne-là. Et dans certains cas, on constate que les personnes qui se sentent déjà bien avec leur vis-à-vis, leur partenaire, leur vis-à-vis, déjà se mettent à faire des promesses, à promettre plein de choses, à dire oui, je veux faire ceci, je veux faire cela avec l'autre, sans forcément faire attention à ce qu'ils ressentent, sans forcément faire attention aux critères dont vous venez de parler. Comment est-ce que, arrivé à cette étape-là, on peut faire la différence entre le bien-être que la personne nous procure, qui nous donne envie d'aller plus loin, et la réalité de ce qu'on ressent, qui est réellement l'amour? En fait, que vous soyez conscient ou inconscient de ce qui se passe en vous, les cinq choses dont je viens de parler se réalisent en vous. Hein. Vous avez ces cinq choses qui s'imposent à vous et malgré votre état d'inconscient ou de conscience, ça se passe naturellement. Vous commencez par vous projeter lorsque vous êtes allé déjà dans la relation. Parce que ces cinq choses dont je viens de parler se trouvent en amont de la relation. Ça se passe dans l'individu qui jette le regard fatal. D'accord. Et ça peut ne pas être réciproque, mais ça se passe en vous. C'est d'abord l'individu qui a jeté le regard fatal, qui a travaillé son cerveau et a pu déclencher ces cinq choses dont je viens de parler. Et après ça, maintenant, commence par rester avec et avec s'il a la chance de trouver sa réciproque. Si ce n'est pas réciproque, c'est fini, ça s'étiole et ça va mourir. Et le cycle recommence lorsqu'il va encore jeter d'autres regards sur d'autres personnes. D'accord. Maintenant, si vous êtes déjà dans la relation, ça veut dire que ce que nous venons de dire s'est déjà produit et vous avez constaté que vous êtes amoureux et vous êtes ensemble avec quelqu'un et c'est en ce moment que vous vous projetez dans l'avenir avec des projets et autres. Dans ces conditions, si vous commencez déjà par faire des projets, ça veut dire que vous marchez ensemble, vous commencez par cheminer vers l'avenir meilleur. Et c'est à ce moment que les aspirations dont vous parlez tout à l'heure interviennent. Pour beaucoup de personnes, les aspirations commencent à ce moment-là. C'est des erreurs. En principe, avant d'aller en couple, on met en jeu ses aspirations. Le contrat pour un couple n'est pas un contrat d'affaires. C'est la rencontre de deux blessures, en fait. Je crois avoir dit ici que c'est la rencontre de deux affectivités. Oui. Alors, mais de deux blessures, c'est bien la première fois. Voilà, ça veut dire quoi? Je peux, si vous le permettez, je vais expliquer un peu pourquoi je viens d'affirmer que c'est la rencontre de deux blessures. Parce que en fait, avec Lise Bourbeau, nous pouvons déjà énumérer cinq blessures d'une personne humaine dans la vie. Et selon votre blessure, vous allez chercher dans l'autre ce qui peut vous aider à penser votre blessure. Et tout ceci se fait avant de rentrer dans un couple. Si la personne ne répond pas à vos aspirations, vous ne pouvez pas aller avec cette personne-là. Lorsque vous avez, par exemple, le rejet, et vous avez eu dans votre vie comme rejet, et rejet, c'est votre blessure intérieure. Rejet venant d'un parent, d'une personne qu'on a aimée. Voilà. Lorsque vous voulez rentrer en couple, vous allez toujours chercher quelqu'un qui va vous protéger, qui va vous comprendre, qui ne va jamais partir. Et vous également, vous allez mettre en place des stratégies, des manipulations pour toujours garder, pour ne plus être rejeté. Voilà. Si
C'est peut-être l'humiliation que vous avez vécue parce que votre état de pauvreté a fait que vous avez été humilié dans la vie. Avant de rentrer en couple avec quelqu'un, vous allez chercher à voir si cette personne peut vous donner les moyens nécessaires de ne plus vous faire humilier dans la société. Oui. Voilà ce que j'appelle aspiration. Donc, en voulant panser votre blessure, vous trouvez la personne à même de pouvoir le faire. Et si cette personne est d'accord, vous commencez le cheminement et c'est là où vous commencez par vous projeter. Alors, j'ai parlé du rejet, j'ai parlé de l'humiliation. Il y a l'autre blessure également qui est l'abandon. Les gens qui ont été souvent abandonnés cherchent à voir dans leur partenaire des gens capables de prendre des décisions et d'aller jusqu'au bout. Des gens qui capables de les dominer, leur montrer quand même qu'ils existent, les rassurer dans la vie. Si en face de vous, vous tombez sur un homme qui ne répond pas à ses aspirations alors que votre blessure est l'abandon, après quelques jours, vous allez vous dire, écoutez, ce monsieur ne répond pas, il ne fait pas l'affaire. D'accord. Et vous allez changer. Alors, souvent, sur Osons Vivre, on parle, ou bien en général dans la société, on entend l'expression « blessé de guerre ». Et sur Osons Vivre, on a souvent conseillé aux téléspectateurs de pouvoir se guérir eux-mêmes avant d'entamer une nouvelle relation, au risque d'attendre trop de leur partenaire qui ne serait pas capable de les équilibrer émotionnellement comme il espère. Ce dont vous parlez actuellement, le fait de penser les blessures de façon réciproque, qu'est-ce que cela signifie concrètement vis-à-vis de ce qu'on a toujours dit sur le plateau ici? Alors, c'est pouvoir se guérir, c'est pouvoir dompter ses blessures et tirer de ses blessures les armes nécessaires pour bien vivre. Là, je vais vous donner juste les exercices pratiques pour s'en sortir, parce que si vous ne savez pas quelle est votre blessure, il vous sera difficile d'aller vers un partenaire qui répond à vos aspirations. C'est cela. Comment savoir ses blessures? Première chose, suivre son corps et faire attention à ses humeurs. Lorsque vous vous trouvez dans des périodes d'émotions, de pic, d'émotions négatives en pic, c'est-à-dire la colère, la peur et la tristesse en pic, désespoir, vous prenez votre patience, vous prenez une feuille et vous notez les faits. Qu'est-ce qui vous a amené dans ces états de colère, de peur, de tristesse et autres? Juste après l'étape là, lorsque vous serez au calme, vous allez interpréter les faits. Quelle interprétation donnez-vous à ces faits-là qui vous ont amené dans ces états? Et vous prenez votre temps pour voir si vous êtes allé dans ces états à cause de l'interprétation ou à cause des faits. D'accord. Ça vous aidera à comprendre que c'est l'interprétation que vous avez donnée aux faits qui vous a propulsé dans l'état de colère, de tristesse ou autre. Et là, vous voyez, tout se fait soi-même. C'est vous-même qui faites l'opération sur vous. Vous allez comprendre en même temps si celui qui est en face de vous était en faute ou simplement était en train de réagir à une action venant de vous. Ça vous permet de comprendre votre blessure, de l'accepter et de vivre avec très aisément. Celui qui a été victime, par exemple, de l'injustice, qui a pour blessure l'injustice, sera rigoureux. Mais en face de sa rigueur, s'il y a quelqu'un de l'autre côté qui n'arrive pas à comprendre, ça veut dire qu'il y aura choc. Donc, il faut qu'il soit flexible. Lorsqu'il fait l'opération là, il saura que c'est à cause de ses interprétations du fait qu'il a eu tel ou tel problème. Autrement dit, s'il était flexible, le problème n'allait pas s'interpréter comme cela a été jusqu'à le mettre dans de tels états. Donc voilà comment on fait l'effort d'aller à la découverte de ses blessures pour apprendre à s'adapter à ses blessures et aller chercher maintenant celui qui correspond à ses... à votre état d'âme. Voilà, celui qui peut vous aider à panser ses blessures. En général, les femmes abandonnées préfèrent souvent trouver
les hommes victimes de la trahison. Parce que les hommes victimes de la trahison se montrent plus possessifs. Voilà. Et les hommes abandonnés préfèrent souvent trouver les femmes victimes de l'injustice. Et la femme victime de l'injustice ou l'homme victime de l'injustice cherche la femme ou l'homme de l'injustice. C'est-à-dire, injustice cherche à rencontrer l'injustice. Parce que celui qui a comme blessure l'injustice cherche toujours la rigueur et les pansements, c'est la flexibilité. Donc, l'exercice étant fait de part et d'autre, les deux sont ensemble, les deux sont en train de se donner des règles, suivent leurs règles et puis se comprennent. Et puis, et de part et d'autre, ça marche. D'accord. Donc, voilà comment on essaie de savoir d'abord quelles sont ses blessures pour pouvoir rentrer dans un couple. Si la personne en face n'est pas à même de vous dominer, les femmes, par exemple, abandonnées, cherchent les hommes bien grands, bien gros, capables de leur montrer à vue, quelqu'un ceux capable de les aider, de les rassurer. Donc, si vous ne savez pas qui vous êtes dans ce domaine, il sera difficile de rentrer dans une relation, quand bien même les 5 critères que nous venons d'énumérer un peu plus haut étaient remplis en vous, vous risquez d'entrer dans la relation par essai et par erreur parce que vous irez pouvoir. D'accord. Et ça peut échouer, comme ça peut bien marcher. Ça peut échouer comme ça peut bien marcher. Dans certains cas, les 5 critères sont complètement remplis, mais la personne n'a pas le courage de déclarer sa flamme, de déclarer ce qu'elle ressent à l'autre, à son vis-à-vis. Dans ce cas, c'est un amour unilatéral qui se développe parce qu'ayant trop peur d'exprimer ce qu'on ressent à l'autre, de se faire rejeter malgré tous les travaux qu'on a essayé de faire à son niveau, la timidité aidant, les complexes aussi aidant, la personne n'arrive pas à exprimer réellement ce qu'elle ressent. Donc l'amour unilatéral s'installe complètement. Est-ce que cet amour unilatéral-là peut être vécu d'une manière ou d'une autre, à l'insu de l'autre? Attention, ça donne une maladie et c'est très difficile à guérir. Cette personne aura besoin d'un psychologue. À long terme. Ben oui, puisque vous aimez la personne, vous travaillez votre cerveau, vous excitez, il y a de stimulus d'hormones en vous, mais jamais la dopamine qui est sécrétée pour vous donner l'énergie nécessaire d'aller voir si la personne en face est en phase avec tout ce que vous avez dans votre tête, vous ne l'utilisez pas. Et si vous ne l'utilisez pas, vous allez finir par tomber malade. Donc vous devez dire, je crois avoir dit sur ce plateau que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Mais vous allez l'imprimer jusqu'à tomber malade. Et il faut le dire, il faut s'extérioriser. Et pourquoi pas, si vous êtes victime d'une blessure de rejet dans votre vie, pourquoi pas ne pas trouver quelqu'un en face capable de vous guérir? Peut-être que l'homme qui est devant vous est capable de panser votre plaie pour que la vie puisse continuer. L'essentiel, c'est de vivre de manière harmonieuse et de manière bien heureuse. Et les hormones sont là pour nous conduire. Mais si nous-mêmes, de peur de nous faire rejeter, de peur de nous retrouver encore abandonnés ou autres, nous refusons d'agir, nous serons responsables de ce qui va nous arriver parce que sans avoir demandé, vous n'aurez rien du tout. Donc il vaut mieux s'exprimer, prendre le risque d'être rejeté et même d'être rejeté dans certains cas que de ne rien dire du tout et tout garder à son niveau. Un auteur a dit qu'une relation amoureuse, eh bien, c'est la rencontre de deux blessures et des prises de risques en permanence. Si vous ne voulez pas prendre de risques, alors ne dites pas que vous voulez rentrer dans une relation amoureuse. D'accord. Parce que vous devez prendre des risques pour voir si ça va marcher. Mais si ça marche, alors bingo, ça continue. Si ça ne marche pas, continuez. Parce que ce que nous sommes en train de dire, les hormones sont là pour nous conduire toujours dans l'élan. Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Ainsi de suite. Alors, dans la suite de votre développement, pour revenir un peu plus à tout ce que vous avez expliqué par rapport au pansement mutuel des blessures dans la relation, est-ce que ceux qui considèrent les couples qui vivraient un amour idéal, qui s'entendraient sur tous les points, est-ce que ceux qui considèrent ces couples-là comme des dépendants émotionnels ont raison?
n'y a pas de couple qui aurait une vie où ils s'entendent sur tous les points. Ce n'est que des apparences quand on voit ça. Ce n'est que des apparences. Au contraire, ils se comprennent et ils se complètent dans leurs différences. Et de loin, on peut croire qu'ils sont dans une vie idyllique. Non, il n'y en a pas. En réalité, les couples pareils ont fait un travail sur eux-mêmes individuellement. Parce que c'est d'abord l'individu qui instaure le climat apaisé dans le couple. Ce n'est pas les deux. C'est chaque membre, chaque partenaire dans le couple qui fait le travail. Oui. Et ce travail se fait par rapport à son histoire, ses vécus et ce que il ou elle veut de sa vie. Et c'est à partir de ces déterminants que le quotidien se joue. Si vous êtes victime, par exemple, des blessures de l'abandon, ou bien des blessures de l'injustice, et vous avez en face de vous un homme qui a eu, par exemple, dans sa vie, des blessures de rejet ou de la trahison. Vous devez travailler sur vous-même pour apprendre à utiliser vos blessures pour penser la blessure de l'autre. Sans devenir dépendant émotionnellement. Sans devenir dépendant. En général, les dépendants, c'est ceux qui ont eu les blessures d'abandon ou de rejet qui deviennent dépendants. Et qui n'ont pas su surmonter le... Voilà. Mais dès qu'ils arrivent à surmonter, ils ne sont plus des dépendants. Mmh. Ils prennent leurs blessures pour penser la blessure de l'autre. Et c'est en faisant l'exercice là au quotidien que la vie semble être une vie harmonieuse, une vie idyllique, et on y va avec. Donc, donner l'excuse que l'amour idéal est de la dépendance émotionnelle, c'est ne pas réellement savoir de quoi on parle. C'est bien ça. Je ne dirais pas ça, mais je dirais plutôt qu'il y a certaines personnes qui se laissent dans la dépendance émotionnelle. Parce que ayant peur de faire l'exercice dont nous venons de parler. Alors, ce n'est pas une fatalité, la dépendance émotionnelle. On peut s'en sortir. On peut se guérir de la dépendance. Et je vais utiliser le mot dépendance affective pour être direct. On peut s'en sortir parce que si vous avez comme blessure l'abandon ou le rejet, parce que c'est les deux là surtout qui amènent la dépendance, parce que ceux qui ont ce type de blessure se disent... Il faut que j'utilise de tout mon pouvoir pour garder. Je ne veux plus être rejeté, je ne veux plus être abandonné. Donc, quel que soit ce qui se passe, ils acceptent, même s'ils sont battus, ils acceptent parce qu'ils ont peur de quitter pour recommencer. Pour quitter ce monde, il faut qu'ils fassent exercice sur eux-mêmes. D'abord, déterminer quelle est leur blessure en faisant ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. S'ils sont en colère, les moments de pic émotionnel, prendre un papier, écrire les faits et interpréter les faits. Se poser la question de savoir si c'est leur interprétation qui les a amenés dans ces pics de colère ou d'angoisse, ou bien si c'est les faits. En général, ceux qui sont victimes des blessures d'abandon ou de rejet jettent la faute sur l'autre. Ils n'aiment pas prendre des responsabilités. Ils font tout pour démontrer que c'est l'autre qui a tort. Et dans ces conditions, ils ne sont pas prêts à se guérir. Ça va créer toujours des crashs dans le couple. D'accord. Mais le jour où ils vont constater qu'ils ont leur part de responsabilité et commencer par travailler sur eux-mêmes pour s'en sortir, alors tout se passera bien. Et de l'autre côté, si l'exercice est fait, les deux vont faire leur marche sans grande difficulté. Alors, au-delà de ces blessures et durant la marche que les deux sont en train de faire, quelle est la période qu'il faut suivre pour pouvoir, pour pouvoir bien se servir de ces critères-là pour relancer son couple à chaque fois? Parce que qui dit penser les blessures aussi parle de choc.
L'autre, qui est dans une situation de blessure, qui peut ne pas accepter la façon dont son vis-à-vis réagit à ses blessures à lui, ou comment lui, il essaye de l'aider à son sens pour l'aider à guérir ses blessures, risque de se sentir frustré à des moments donnés. Et là, on observe des étincelles dans les couples. Quand ces situations de tension-là arrivent, et que quand même, on fait un bilan, on se dit, oui, il y a ces 5 critères-là qui sont remplis, comment est-ce que je peux me servir de ça? Comment est-ce qu'on peut se servir de ça pour mieux rebondir dans son couple? Je vais citer Antonio Damasio. Oui. C'est le père de l'intelligence émotionnelle. Oui. Qui nous dit que je t'aime signifie je m'aime à travers ta personne. Il dit, si je t'aime veut dire je m'aime à travers toi qui es devant moi, alors je sais qui je suis, je m'aime tel que je suis, et je suis déjà prêt, et je dis à l'autre, je t'accepte devant moi, simplement parce que je m'aime, et je m'aime encore plus quand tu es devant moi. C'est ça, je t'aime en fait. D'accord. Si nous rentrons dans ce schéma d'amour, nous pouvons dire que l'étincelle dont vous parlez, ne pas être d'accord avec l'autre dont vous parlez, c'est ne pas être d'accord avec soi-même. C'est ne pas se comprendre. C'est ne pas chercher à savoir qui on est dans le couple. Lorsque vous savez, par exemple, que vous êtes victime d'une blessure d'injustice dans votre vie, et vous commencez par faire l'exercice sur vous-même, vous allez constater que vous êtes trop rigide dans vos prises de décision. Vous allez constater que pour vous, ou c'est blanc, ou c'est noir, il n'y a pas de gris. Et si un jour vous avez la chance d'entendre le discours que nous tenons ici maintenant, vous allez vous poser la question de savoir, ben, attendez, il faut chercher à voir le gris. Et là, vous allez vous remettre en cause et vous en sortir. Par contre, si vous enfermez dans la croyance et dans, entre griffes, des églises, où vous voulez corriger votre couple et vos blessures par la prière, vous n'allez jamais objectiver vos problèmes. Et vous allez chercher qu'il y ait un abracadabra pour vous guérir. Et là, vous allez voir des étincelles. Là, vous allez voir des crashs. Là, vous allez voir des séparations. Cherchez à vous connaître. Cherchez à travailler sur vous-même. Oui. Cherchez à vous aimer. Et vous allez finir par aimer l'autre parce que la présence de l'autre vous rassure dans l'amour que vous avez pour vous-même. D'accord. Donc, il y a un temps pour prier et un temps pour chercher à comprendre, à se comprendre soi-même, puis comprendre l'autre. C'est bien ça. La prière nous aide à ouvrir notre intelligence à nous-mêmes et à nos difficultés pour comprendre ce qui se passe et prendre des décisions. D'accord. C'est ça. Merci. Mais si nous ne pouvons pas venir là, alors laissons la prière et observons-nous, notons ce qui se passe et cherchons à comprendre rationnellement ce qui se passe pour pouvoir arrêter. D'accord. Parce que tant que vous ne savez pas que vous avez choisi un homme riche parce que vous avez été rejeté ou humilié à cause de votre pauvreté, vous allez croire que vous êtes matérialiste. Ce n'est pas le cas. Vous avez simplement cherché à panser votre blessure d'humiliation. D'accord. Et si l'œil extérieur, donc l'autre, vous dit que c'est parce que vous êtes matérialiste que vous suivez un monsieur entre griffes qu'ils appellent glotto, et vous-même, vous ne savez pas qui vous êtes, ça va vous faire douter. Et après quelques temps, vous allez retomber dans l'humiliation. Donc on finit par se dénaturer. Et le cycle va recommencer. Alors, monsieur Jacques-Christian Winsot, on a fini pour Osons Vivre. J'avoue, ouais, le temps est très peu, c'est comme si on n'a rien fait là. Tout à fait. C'est comme si on n'a rien fait, mais quand même j'estime, j'espère que les téléspectateurs quand même ont tiré beaucoup de choses de vos paroles, de vos propos sur cette émission. Et on va commencer par leur rappeler quand même ce qui, de quoi il s'agit quand on parle des 5 critères qui nous permettent de confirmer que nous sommes réellement amoureux d'une personne ou d'une autre. Et puis enfin, quelques mots pour finir. Merci Christelle. Je voudrais d'abord dire que on peut être amoureux sans forcément avoir le bénéfice de l'amour de la personne aimée. Donc, être amoureux signifie simplement de ressentir
en soi, la peur de perdre la personne qu'on a en face, le mystère de la personne, ça dit on ne sait pas pourquoi on est attaché, on veut toujours rester avec cette personne. On a un sentiment de bien-être à côté de cette personne et quand on parle avec la personne, on oublie même l'heure. On a envie d'aller à l'expression libidinale avec cette personne, d'avoir une fusion émotionnelle et physique avec cette personne. On a envie de découvrir de nouvelles choses avec cette personne. Quand on est avec cette personne, on n'a plus peur de rien, on a envie de braver les interdits. Si ça commence par arriver en vous, alors vous êtes amoureux. C'est cela. Et commencez par vous poser la question, est-ce que l'autre ressent la même chose? Si oui, alors bravo, ça peut continuer. Sinon, lâchez prise, recommencez, jetez encore d'autres regards fatals, ça va revenir. Mais si vous ne le dites jamais, vous finirez par vous rendre malade. L'autre chose, cherchez à savoir qui vous êtes, quelle est votre blessure. Parce que être en couple, c'est aller à la rencontre de l'autre blessure pour chercher à penser. Donc, sachez ce qu'est votre blessure et déterminez la personne capable de penser votre blessure et assumer votre choix. Merci beaucoup, M. Jacques-Christian Ouessou, d'être passé encore sur Zombie ce jour. Merci.